Je percevais des corps alignés, tous recouverts de draps blancs. J'ai eu l'impression de silhouettes couvertes de capuches comme des moines, juste derrière la porte, bloquant le seuil et qui me fixaient. J'ai pensé « Oh oh !» Je monte tout en haut, j'entre dans la chambre et Marvin Scott me dit « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et je lui ai répondu « J'espère que je n'approcherai jamais plus que ça de l'enfer. » Ça se passe le jour dans le sommeil où tous les rêves sont crus. Impossible de se réveiller quand le réveil ne sonne plus. Sentiment de déjà vu, des démons dans la séance. Des corps cauchemardesques abominables, peu connus de la science. La conscience se fait conduire sans vraiment savoir le pire. Passager du train fantôme dans ce délire, tu ne peux pas rêver. Prends le large dans une vallée isolée où toutes les allées sont hantées. Tente de t'évader maintenant, mais l'addition sera saldée. Serre quand tes labyrinthes entourés de quelques flambeaux qui mènent à l'enceinte du château gardé par des corbeaux. Peu récréatif, des nuages noirs ont recouvert ta tête. Pas de strass et paillettes, le stress fait partie de la fête. Décoration ancestrale anormale empilée de pentacles et de pierres tombales empalées. Tu peux pas détailler l'intensité de ce tour de manège infernal. T'as le vertige, tes yeux se sont brouillés, la folie s'installe, fait de mirage, t'hallucines sur les murs, les aliens et les fantômes s'étalent. Tout seul dans un étrange caveau, face à ce mystère, tu te raidis comme un mort dans un tombeau. Dans ce cimetière austère, tu comprends que tes chimères te font pas de cadeaux. Vagabond et traîne comme un pédin dans ces tunnels souterrains. Trop étroit, t'es comme une proie dans un nid vipère, t'es dans le pétrin. Désespère, t'en faire même plus. Les coins sont trop hermétiques, traqués, mis à l'école par ces bêtes noires aux méthodes peu pacifiques. Tu frappes à la porte, gardée par une étrange coalition, assise sur une table en bas, mangeant des cadavres en décomposition. Beaucoup trop d'appréhension, tu t'évapores dans un malaise. Opéré sur une chaise, un dépouille servira à faire des transactions. Ta venue n'était pas redoutée, mais peut-être trop précipitée. Maintenant t'y es préoccupé, comme si c'était prémédité. Le réveil se met à sonner, t'es comme un dîner, car en cette matinée sacrée, tes nuits cauchemardesques, on prépare de ta réalité.